Et voilà, et belle aventure à vous tous. Alors, merci beaucoup, Franck Leroux, pour ce briefing. Ça vous laisse un peu de temps de les préparer. Alors, il vous l'a dit, hein, Franck, donc vous allez avoir un départ juste devant le podium. Compte tenu du fait qu'il est 5h du matin, on va peut-être pas non plus s'enflammer sur les platines. Je pense que pour une première, on va éviter que les voisins nous perturbent dès le départ, quand même. Mais on aura quand même une petite ambiance musicale là-bas. On part et vous aurez 200 mètres après, Brest Chrono qui va prendre officiellement le chrono, hein, Franck. On est en train de voir où est Franck, parce que c'est lui qui va lancer le départ du JT2V. Je sens que Franck y va, ça y est, c'est bon, il arrive. Vous allez au fond. Ouais. Ah d'accord, ok, pardon. En rupture d'eau, dis-donc. Ouais. T'as déjà vu ça, toi? Ouais, c'est raide, c'est le premier. En rupture d'eau, au bout de... C'est le premier. J'ai jamais vu ça, moi. Bon, on est au 18e kilomètre. Comment tu te sens? Bah écoute, hein, bien. Bien. Après cette petite chute. Une petite chute. Petite voilà. Chute qui réveille. Donc, une rupture... une chute, une rupture d'eau. C'est pas fréquent, plutôt en Bretagne. Écoute, c'est une première sur un trail, une rupture d'eau. Par contre, les chutes d'eau sont belles. C'est reparti. Alors on est au 20e kilomètre, 2h25 de course. Le froid ça va, finalement. Donc je suis dans un petit groupe sympa, devant moi là. Quatrième kilomètre, 2h57. Notre soleil là, qui revient, c'est magnifique. Voilà, cimetière de Pléchâtel. Ravitaillement. 27e kilomètre, 3h20. Le mur du 30e kilomètre, on est
31e kilomètre, 3h56 de course. Petit clocher. Bon, ça va ? Ça va. Moi, ça va. Vous avez vu passer beaucoup de coureurs ? Un petit peu, ouais. Ça commence. Bon. Merci. Ouais, je pense. Ah, c'est beau. Donc, nous sommes au 33e kilomètre après 4h16 de course. Bon, je crois que c'est là qu'on traverse la rivière. Et qu'on remonte. Voilà, Saint-Malo de Filly, 35e kilomètre. Il fait toujours aussi beau. Bon allez, à tout à l'heure les différés. Bon, petit point de course. Alors, nous sommes au 43e kilomètre. 43e kilomètre, un peu plus de la moitié. Et on a couru 5h44. Voilà. Bon, la première partie, pas trop difficile, mais là ça commence à se corser quand même. Ça me rappelle un peu Belle-Île par moment. On connaissait le mur du 30e kilomètre et voici le mur du 52e kilomètre, tout aussi difficile, beaucoup moins connu. Ça va, ça se passe bien ? Ça me l'a vite. Bon, salut les différés. Alors 60e kilomètre là, ça pique vraiment là. Salut les différés, 63e kilomètre, 8h20 de course, encore 20 bornes, ça devrait le faire. Les falaises du Boël. Bon, 66 km, 8h42. Il est temps que ça se termine quand même. Allez, c'est parti. Moulin du Boël. C'est pas beau ça ? Bon, c'est lui les différés. 70e kilomètre de course. Et on est à 9h23 de course. Donc, il reste 14 km. Voilà. Bon bah, vivement l'écurie.
pas plus. Bonjour. Non, c'est pas là. Ah, faut monter. Faut monter, ouais. Il y avait le choix entre monter et descendre. Merci. Voilà. Ici, on monte, on descend pas, on monte. On monte tout le temps. La Bretagne, c'est pas le plat pays. Des longs couloirs pentus comme ça, on en a vu pas mal aujourd'hui. C'est joli, mais... Mais j'en demandais pas tant quand même. Soixante-treize kilomètres, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans les 10 derniers. Quand on rentre dans les 10 derniers kilomètres, pour un ultra trailer, c'est formidable. C'est le décompte. 10, 9, 8, 7. C'est la dernière ligne droite. Et voilà, les 500 derniers mètres. C'est pas beau ça? Bon ben, course terminée, très belle course, bénévole sympa, suffisamment de ravitaux, peut-être un peu trop de rivière, hein. C'est chouette la Vilaine, mais voilà, peut-être réduire un peu les passages sur le halage, mais autrement, globalement, super, super ultra trail. On reviendra. Allez, ciao.